Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire ma plaque de numéro d'habitation avec de la porcelaine papier. Donc, ça se présente comme ça. Et voici le bloc. Donc, je vais en prendre un morceau et je vais l'étaler pour faire une forme de cœur. Pour faire un cœur, il faut plier une feuille A4 dans la hauteur et dessiner un demi-cœur. Ainsi, de cette façon, quand on coupe et qu'on ouvre, on a un cœur parfait. Donc, on plie la feuille en deux dans la hauteur, on dessine une moitié de cœur, on coupe et en ouvrant, on a le cœur parfait. Voilà, donc j'ai abaissé avec mes règles de 8 mm avec mon rouleau à pâte et maintenant je vais couper tout autour. Voilà, là c'est fait et maintenant je vais venir décoller ma forme. Voilà, je vais juste corriger ici que ce soit plus joli. Voilà, mon cœur est prêt, donc je vais pouvoir le décoller et le poser sur une planche pour pouvoir continuer mon travail. Alors, j'habite au numéro 13, donc je vais mettre le numéro 13 au milieu ici et je le fixerai à mon grillage en faisant deux trous là en haut. Donc, je vais mesurer maintenant pour savoir exactement où je vais faire mes trous à l'aide de ce petit outil. Donc là, je commence déjà par mesurer pour être sûr que je vais bien être centré. Voilà, donc j'ai marqué mes petits trous et maintenant je vais venir mettre ce trou ici. Je vais appuyer et je vais tourner. Voilà pour mon premier trou. Et je viens retirer. Voilà, je vais les nettoyer à l'éponge. Et mes trous pour fixer au treillis sont faits. Voilà, je vais nettoyer ça à l'éponge et je vais pouvoir commencer ma décoration. Je vais passer également à l'éponge tout le tour pour que ce soit bien lisse. Donc voilà un peu ce que ça va faire. J'avais fait des essais de fleurs. Je vais en refaire quelques-unes des plus petites pour mettre tout autour là. Les chiffres, je les ai faits avec des petits colombins et j'ai donné la forme des chiffres et je les ai collés à la barbotine. L'avantage avec la porcelaine, c'est qu'on peut coller des choses à n'importe quel moment. On peut mettre du frais sur du complètement sec. Pardon. Du sec sur du frais. Là, par exemple, c'est sec. Ma plaque est fraîche. C'est une différence fondamentale de la porcelaine avec les autres argiles. Donc là, je vais continuer. Avec ma barbotine, je me suis fait de la barbotine là. Je vais bien lisser tout ceci pour être sûr que tout est bien collé. Je vais refaire quelques fleurs, des beaucoup plus petites pour mettre tout du tour là. Et je vous montrerai comment je l'ai fait. Alors la voilà terminée, tout est collé, les fleurs, le chiffre, quelques petites décos ici, un petit papillon et ici je mettrai notre nom.
Ça va faire chouette. Maintenant, je laisse sécher.